Vers Automatisme est une société anonyme qui a été créée en 1991 par un ancien enseignant du lycée Fèbre à Carpentras. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. On travaille sur différents marchés. On fait un chiffre d'affaires d'environ 8 à 9 millions d'euros, suivant les années. Historiquement, notre cœur d'activité consiste à équiper des centres de formation, donc des universités, des écoles d'ingénieurs, des lycées professionnels, des lycées techniques. On va leur fournir du matériel pour que les élèves puissent réaliser des travaux pratiques en vue d'apprendre des métiers de l'industrie et du bâtiment. Outre l'éducation, on est en contact avec un grand nombre de sociétés industrielles, notamment via notre division ERM Fab & Test, qui propose des équipements, des solutions numériques de fabrication de prototypes et de petites séries. Et puis également des sociétés dans les domaines de l'énergie, puisqu'on a une division qui s'appelle ERM Énergie, qui est spécialisée dans l'alimentation autonome de sites isolés. Donc là, on va amener du courant dans des endroits en Europe et en Afrique où il n'y a pas de réseau électrique. Et dernière division, ERM Robotique, où on a développé une expertise en robotique industrielle dans l'esprit de l'industrie du futur, et également en robotique humanoïde, où on va amener des robots humanoïdes dans les salles de classe, mais aussi dans des lieux culturels, tels que par exemple la bibliothèque Engavertine à Carpentras, où on a un robot Pepper qui assure l'accueil multilingue au sein de la bibliothèque. Dans les années qui viennent, on va développer ces business units, donc les énergies, la robotique, la fabrication numérique et le didactique, en visant des marchés en France, en Europe et sur le continent africain où on a une présence qui est non négligeable. Vaucluse Provence Attractivité est un partenaire de longue date. Ils nous ont notamment accompagnés sur la construction de nos bâtiments en 2015. Et depuis, un relationnel solide s'est noué. Et on va échanger des informations sur les sociétés qui veulent s'implanter dans le Vaucluse, avec qui on pourrait rentrer en partenariat. Voilà, donc ça, ils vont nous aider à bâtir un réseau d'entreprises dans nos activités.